Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan des 5 calendriers de l'Avent que j'ai achetés pour décembre. Donc, je vous souhaite encore une fois une bonne année. Voilà, c'est le make-up que vous avez eu samedi pour vous. Donc, je vous remets en barre d'infos. C'est un des crash tests des calendriers, le Glam Shop. Voilà, si vous voulez avoir plus de détails, elle est en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire. Vous allez voir que j'ai étalé tout derrière pour faire vraiment le bilan pièce par, enfin, calendrier par calendrier. Je vous ai montré également ce que je garde ou pas par calendrier. Ça donne un peu une idée de l'intérêt du calendrier en lui-même. Donc bah écoutez, je vous laisse tout de suite voir le contenu de chaque calendrier. Donc il y a le H&M, enfin, on va faire dans l'ordre. Il y a le Sensei, il y a le... C'est pas exclusif de Action, il y a le Balea de chez DM, le H&M Makeup et le Glam Shop. Voilà, j'avais deux make-up et trois soins, donc je vous laisse regarder tout ça. Donc on commence avec Sensei qui est tout ici. Alors on a eu un miroir, un gloss, un lip balm, deux fois les... Alors les limons, je sais plus de qui ça vient exactement. Deux fois des confettis de bain, on a eu deux bombes de bain, deux savonnettes. Un body butter, ici c'est un conditionneur pour les cheveux, donc un après-shampoing, une brume corporelle, un bubble bath, donc un bain mousse, un shower gel, une crème de jour, un shampoing, un exfoliant pour le visage, un exfoliant, un gommage, un truc pour se laver le visage, un body peeling, donc un gommage pour le corps, une crème pour les mains, le masque pour dormir, la charlotte, le loufa qui est partout, et cette petite fleur qui va virer directement à la poubelle. Pour le spa exclusif de Action, donc on a des confettis de bain et des cristaux de bain, une brume corporelle, c'est bien ça, ouais, body mist. Ici, c'est encore un gel nettoyant pour le visage, un gel douche, deux body butter, ça c'est bien. Deux bombes de bain et une bombe pour les pieds. Un truc ouais, pour vous faire un bain de pied. Un shampoing et le conditionneur. La crème de jour et un masque. On a une lotion pour le corps. Un gommage corps et visage. Une crème pour les mains. On a eu donc le loofah et le masque de dos aussi. Et le gant exfoliateur. Exfoliant. Qu'est-ce que j'ai avec ce mot exfoliateur? Ça, c'est génial, par contre. On va refaire un bilan après. Hein. Là, je vous montre vraiment juste ce qu'il y avait dans chaque calendrier. Après, je vous montre ce que je garde et ce que je garde pas, et ce qui me plaît le plus ou pas. Comme ça, on donnera des notes. Alors, chez Balea, on a eu le masque pour les yeux, le masque pour le visage, le masque pour les cheveux. Ça, c'est très bien. Un lip balm. Donc, putain, Riley. Arrête d'aller chercher les affaires. Un baume à lèvres et un contour des yeux. Une crème pour les pieds. Un masque visage. Winter's Plume, je ne sais plus c'est quoi. Un gel nettoyant. Une crème pour les mains. Une crème de jour. Une crème de nuit. Une huile pour les cheveux. Une huile corporelle et une eau micellaire. Donc là, on a 4 gels douche, enfin là c'est un bain moussant, mais je pense qu'en gel douche ça peut le faire aussi. Le seul goodies qu'il y a eu, c'est le petit washing tape là, qui est très mignon de Noël. Alors le bruit, vous entendez, c'est Riley qui fait des conneries. Une brume pour les cheveux, un gommage pour le corps, une body lotion et un shampoing. Il est vraiment hyper 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 complet. Alors chez H&M, donc vu que c'est tout des miniatures, ça fait un peu rikiki comme ça à côté des autres, mais il y a quand même 24 produits aussi. On a eu le petit turban comme ça pour les cheveux, pour faire des masques et tout ça. Et celui-là, je pense que je vais le garder parce qu'il est moins épais et moins dur que les autres. On a eu un blush et un highlighter en stick l'année dernière, c'était en poudre, enfin l'année dernière ou l'année d'avant. Un tout petit rikiki mini pinceau. On a eu 3 roll-on pour les lèvres, donc c'est des huiles pour les lèvres. On a eu 4 gloss, qui sont ma foi bien sympas. 3 mini rouges à lèvres, 3 mini liners pailletés, 4 fards à paupières pailletés,
le fixateur pour les sourcils et un primer pour le visage. Alors, Glam Shop, on a eu donc les deux palettes vides et ensuite les 16 fards à paupières. On a une palette de teint bronzer, blush, highlighter. Le kit de pinceau trousse plus 8 pinceaux à l'intérieur. Une colle à fossiles, les strass, les fossiles. Une huile démaquillante avec la houppette démaquillante. Deux éponges, une petite et une grosse. Une poudre libre. Un bronzer et un blush en crème. Un highlighter jelly. On a eu deux eyeliners et un baume à lèvres. Donc, l'eyeliner vert, l'eyeliner blanc pailleté et le baume à lèvres. Et un rouge à lèvres. Donc maintenant, on va pouvoir faire la récap de tout et de voir ce que je vais garder exactement de chaque calendrier ou pas. Donc, je vais mettre dans un carton ce que je ne garde pas, vraiment les petites conneries. Ben, ça, je ne vais pas garder, vous voyez, le loufa non plus. La fleur, elle va clairement aller à la poubelle, elle ne sert strictement à rien. Mais ça ira dans les ventes Vinted. Hein. Je ne vais même pas vous mettre ça de côté pour le concours. Pareil pour les deux masques dodo, moi, je ne vais pas m'en servir. Et ça fera toujours plaisir dans les ventes Vinted quand il y a une personne qui sont les snorkies, qui en a besoin. Alors, le nettoyant visage, c'est pratique, c'est génial, c'est un bon format, mais il est un peu mentholé, donc moi je ne garde pas parce que c'est une odeur que je ne supporte pas. L'exfoliant, je garde. Le shampoing, je garde. L'exfoliant corps, je garde. Crème pour les mains, je ne garde pas. Les deux petites savonnettes, je garde pas, j'en vois pas l'utilité. Elles sont super bonnes, elles sont belles, mais moi je m'en sers pas. Les bombes de bain non plus, puisque moi je n'utilise pas, mais je vais les mettre pour le swap de Manon. Alors, le body butter, je ne garde pas non plus. C'est quoi ça? Le conditionneur, ça je garde. Ça, je ne garde pas puisque je n'aime pas trop l'odeur. J'aime bien le gingembre, mais là, je le trouve un peu trop épicé. Le bain moussant, je ne garde pas non plus puisque je n'en utilise pas. Donc, le gel douche, je garde. La crème de jour, je garde. Le gloss, je ne garde pas. Ça, c'est au fruit de la passion, donc je ne vais pas le garder parce que j'aime pas. Le miroir, non plus. Et les deux confettis, je ne garde pas non plus. Mais pareil, je vais les mettre à Manon. Puisqu'elle n'a pas eu le calendrier. Et bon, les limes à ongles, je ne sais plus exactement d'où ça vient, mais je ne garde pas non plus. J'utilise pas ce genre de... Donc voilà, sur 25 trucs, moi j'en garde 6. Le reste c'est pour vous, donc je ne vous le conseille absolument pas. Voilà, ben, je crois que vous avez compris, pendant que j'ouvrais les calendriers pendant les Vlogmas, c'est vraiment du caca en boîte ce truc. Voilà, 17 balles, il ne les vaut clairement pas. Alors, chez Action, bon, le loufa et le masque dodo, je ne garde pas. La crème pour les mains, je ne garde pas. Ah non, c'était une foot cream, c'est pour les pieds. Un body butter et une crème pour les pieds. Le gant, je garde parce que j'adore ça et j'en ai pas de ce format-là. J'en ai en format moufle, mais pas... voilà. Ça, les bombes et les confettis, je ne garde pas non plus. Hop. Hop. Donc, la crème pour les pieds, je ne garde pas. La body lotion, je ne garde pas. C'est juste parce que je m'en sers pas, mais c'est un très bon format et elles sont, les produits sont divinement bons. Donc là, le body peeling, je garde. Le face scrub, je garde. Le baume pour le corps, alors moi, j'en utilise pas beaucoup, mais celui-là, je vais quand même le garder parce qu'ils sont divinement bons. Et comme ça, j'en ai au moins un. Le lip balm, je garde, c'est le même parfum. Ici, on a le masque. Je garde pas parce que j'utilise pas ce genre de masque. J'utilise que ceux en tissu. La crème de jour, je garde. Le conditionneur et le shampoing, je garde. Le truc pour se nettoyer le visage, je garde. Et le gel douche, là, je garde. Oups. Et la brume parfumée, je la garde aussi parce qu'elle sent bon. Ah, quoi que je vous en ai mis une et que j'ai envie de garder l'autre de Balea. Non, bah, je vais l'enlever juste pour vous, mais l'odeur est trop divine. Donc là, moi, j'en garde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait déjà un peu plus quand même. Hein. Après, c'est beaucoup parce que c'est des produits que j'utilise pas, mais c'est des très bons produits. Ils sont vraiment... il est hyper complet. Il est vraiment bien. Franchement, je le reprendrai l'année prochaine. Après, on partage, vous voyez. Mais je le reprendrai quand même l'année prochaine. Alors, chez Balea... bon, je ne garde pas
Le washing tape, là, le wash tape, parce que moi j'utilise pas. Mais voilà, il est décoré comme le reste des packaging et c'est génial. C'est bien d'avoir pensé et c'est le seul goodies vraiment qu'il y a eu. Donc, alors, la brume pour les cheveux, je garde parce que ça sent divinement bon. Le peeling pour le corps aussi. Le shampoing aussi. La body lotion. Ah, j'ai envie de la garder quand même parce que le parfum sent tellement bon. Oui, je garde. Alors ici, tout ce qui est gel douche, je garde sauf le pour le bain. C'est celui-ci. Voilà, comme ça, vous en aurez quand même un. L'eau micellaire, je ne garde pas parce que moi, je n'utilise pas. Et l'huile pour le corps, non plus. Voilà. Quoique. Non, si, je vais la garder. Je vous mets l'eau micellaire. Mais l'huile pour le corps, je vais la garder. Là, pour l'hiver, c'est bien pour bien réhydrater ma peau. C'est pas con, finalement. Alors, la crème de jour, crème de nuit, je garde. Crème pour les mains, je ne garde pas. J'utilise pas. Gel nettoyant, Winter Spoolen, je sais plus c'est quoi. Il faut que je revérifie ce que c'est pour savoir si je le garde ou pas. Le masque hydratant de ce format-là, je ne garde pas. Et la crème pour les pieds, non plus. Par contre, je garde le lip balm et le contour des yeux et les masques en tissu. Donc là, je garde quand même un petit peu plus, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc celui-là, je vous le conseille à 10 000%. C'est vraiment le mieux des trois. Il est hyper complet. Les packagings sont canons. Le parfum est génial. Et vous voyez qu'il y a vraiment de tout. Après, j'aurais tout gardé si c'était des produits que j'utilisais. Là, c'est des produits que j'utilise pas. Ça sert à rien que je les garde. Je préfère vous les mettre pour vous. Mais celui-là, l'année prochaine, je le rachète. Il n'y a pas de doute. Alors, chez H&M, je garde le turban. Ça, je ne garde pas parce que je n'utilise pas. Bon, le pinceau, c'est jamais perdu. Les trois roll-on lèvres, je ne garde pas non plus puisque j'en ai plein, plein, plein. Je peux peut-être en garder un. Hein. Je vais voir les parfums. Comme ça vous fait un dans chaque lot de Noël l'année prochaine. Les gloss. Alors, je vais garder celui-là parce que c'est juste un gloss transparent pailleté qui a l'air très beau. Par contre, je n'ai pas besoin des trois autres. Hein. C'est des mini-formats, mais. Celui-là, je ne vais déjà pas le garder. J'aime pas trop la couleur. J'hésite entre les deux là. Je vais garder celui-ci. Il y a des petites paillettes bleues. Donc moi, je garde une huile. Je vais mettre celle-là. Oups. En attendant qu'on puisse compter. Alors, les fards à paupières, pareil. Hein, je ne garde pas tout. Je vais garder, je pense. Quoique non, argenté, j'ai déjà. Je vais juste garder celui-là, en fait, pour moi. Puisque c'est ce que je préfère, moi c'est à base blanche. Donc les trois autres, je vire. Les rouges à lèvres. J'aime bien les trois teintes en fait. Ouais, il y a un métallique et deux mats, donc ça je les garde. Le face primer, je garde. Les liners pailletés, je garde. Et le petit truc à sourcils, ça sera pour vous. Voilà. Donc là, pareil, hein, on garde pas grand-chose au final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait un peu plus de la moitié. C'est pas mal. Franchement, il est pas mal. C'est que des miniatures, donc ça permet vraiment de tester. Mais sûr, je pense pas que je le reprendrai l'année prochaine. C'est à peu près tout le temps la même chose. Et on va donc passer à Glam Shop. Là, j'ai envie de vous dire, je garde tout. Voilà. J'hésite vraiment pour les deux produits là, le blush crème et le bronzer crème, mais j'ai envie de les tester. Donc voilà, je garde tout. Il n'y a rien qui me déplaît. C'est vraiment le best calendrier avec le Baléa. C'est vraiment les deux calendriers que j'ai préférés. Les trois quarts du temps, vous aviez pas un produit. Si, bon, le rouge à lèvres, vous l'avez eu seul, ceux-là aussi. Vous voyez ceux-là, mais les éponges, on a eu les deux. Les fossiles et ça, on a eu les deux. On a eu la colle à fossiles que j'avais oublié de vous montrer. Ça, on a eu ensemble. Le kit de pinceau, c'était ensemble. C'est génial. Les deux palettes vides, on les a eu le premier jour. Franchement, il est hyper, hyper, hyper complet. Il y a tout ce qui est maquillage et démaquillage. Donc, j'ai vraiment hâte de tourner la vidéo crash test que vous avez déjà eu. Je vous la remets en barre d'infos. Mais voilà, il est génial. Et rien que. Le kit de pinceau là, avec la trousse qui est juste magnifique. Je vais ranger mes choqueurs dedans. C'est. Voilà. C'est le plus cher de tous ceux que j'ai eu, mais c'est le. Il mérite son. Enfin, il est vraiment en adéquation avec son prix. Donc celui-là, vous voyez que c'est un 100%, puisque je garde absolument tout.
Et que là, on est sur du 90%, je vais dire à peu près, parce que. Mais c'est du 100% pour moi quand même, pour si vous utilisez les autres genres de produits que j'ai pas gardés, il est génial. Voilà, ça d'office, c'est les deux que je reprends, et peut-être le spa exclusif l'année prochaine aussi, même si je garde pas grand-chose, c'est vraiment top top quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu d'avoir un petit bilan comme ça regroupé de 5 calendriers de l'année différents. Il y a beaucoup de gens qui font les visus, vous voyez, quand ils vont sortir, mais c'est vrai qu'on a rarement après un suivi sur le contenu du calendrier, à part les unboxings. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Au départ, je voulais vous le faire en vlog, et puis j'avais dit qu'il n'y aurait pas de vlog, et puis finalement j'ai un petit peu vlogué, mais comme j'avais déjà tourné la vidéo, ben, enfin. Ou comme j'avais tout préparé pour tourner la vidéo. Voilà, je vous avais demandé si ça vous intéressait comme vidéo, vous m'avez dit oui, donc je m'exécute. Moi, ça m'a bien amusé de comparer justement chaque calendrier. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si il y en a qui vous tentent pour l'année prochaine de ceux-là, et s'il y en a d'autres que vous pourriez me conseiller dans le même style que ceux que j'ai préférés. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux. Je ne vais pas vous le dire à chaque vidéo du mois, hein. Je vous promets, c'est la dernière fois. Je vous souhaite une très belle année. Et ben, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.